Nous vous écoutons. On voudrait avant souhaiter un événement particulier à quelqu'un qui nous est cher. C'était son anniversaire il y a 2 jours. Elle a 20 ans désormais. Madame Sarah Largillet, on peut lui faire une ovation certainement. Chers membres du jury, chers contradicteurs, cher public, bonjour. Le physique avantageux d'un prof rend-il ses cours plus intéressants? Au tirage de ce sujet, je me suis tout de suite exclamé, moi professeur au physique plus qu'avantageux, existe-t-il une personne mieux placée que moi pour répondre positivement à cette question? Non, évidemment non. Certaines personnes se permettent de me juger, de me définir comme quelqu'un de narcissique. Je ne suis pas narcissique. Je suis magnifique et je m'aime, rien de plus. L'homme assis ici est lui aussi professeur. Malheureusement pour lui, il ne possède aucune des caractéristiques lui permettant d'affirmer que son physique est avantageux. Vous conviendrez qu'il n'a rien pour lui. Mais quelles sont ces caractéristiques? Les caractéristiques du physique avantageux, en fonction du sexe du professeur et de l'appréciation de ses élèves, divergent. Et diverge, c'est énorme, comme disait Pierre Desproges. Quoi qu'il en soit, nous serons tous d'accord pour dire que ces caractéristiques... principales sont regroupées juste devant vous. Pour ce qui est des cours intéressants, là aussi la définition reste subjective. Pour concerter tout le monde, nous prendrons pour exemple principal les cours de Monsieur Fleury. Ils sont passionnants pour ne pas dire enivrants. Mais pourquoi le sont-ils? Parce que M. Fleury a un physique qui ne peut laisser de marbre. Cet homme, cet orateur aguerri, manie les mots comme un chef de guerre, motivant et préparant ses troupes de juristes à affronter leurs pires ennemis. Les partiels. Croyez-moi, les humains ne l'admettent pas, mais au fond d'eux, ils le savent, ils se soucient tous, surtout moi, du physique, des apparences. Cependant, quelle importance prend le physique avantageux du professeur lorsqu'il dispense son cours? J'espère que mon contradicteur a le cœur bien accroché, car j'ai pour traiter sujet des arguments aussi nombreux que les poux sur ta tête. Je suis perdu. Je vais retrouver. Le physique d'un professeur, s'il est avantageux, a l'avantage d'avantager davantage l'apprentissage pour davantage d'élèves, ayant l'avantage, et c'est incontestable, d'avoir un professeur qui a l'avantage d'avoir un physique avantageux, avantageant ainsi ses élèves de manière plus avantageuse que si ces derniers avaient eu le désavantage d'avoir un professeur en physique désavantageux. Avec cette argumentation très claire, vous n'avez d'autre choix que d'être d'accord avec moi. Assister à un cours n'a pas toujours été intéressant. De la maternelle à la fac, l'ennui ne manque aucune des occasions qu'on lui donne pour pointer le bout de son nez. Mais l'ennui n'a d'autre choix que de rentrer la queue entre les jambes lorsqu'un professeur doté d'un corps sortant de l'ordinaire capture ses élèves par l'attirance physique qu'il suscite en eux. Et en cela réside l'explication du pourquoi le physique avantageux d'un professeur rend ses cours plus intéressants. Il fait naître au plus profond de ses élèves un intérêt sexuel inavouable. Par son statut, le professeur jouit d'une supériorité certaine sur ses élèves. Ceux-ci lui doivent respect et obéissance, de sorte que s'installe entre eux un rapport hiérarchique. Un sentiment d'infériorité s'empare alors de l'élève. Et c'est ce sentiment qui rend l'intérêt sexuel inavouable pour cet élève. Ne pouvant déchaîner sa passion, il décide pour combler le manque qu'il assistera à tous les cours.
Ainsi il pourra, faute de pouvoir toucher, contempler son professeur et suivre son cours avec bien plus d'intérêt que si son professeur ne suscitait en lui que dégoût et vomissement. Bien évidemment, tout n'est pas question d'attirance sexuelle. Le professeur avantagé physiquement peut aussi rendre ses cours intéressants en interpellant ses élèves, à la manière d'une peinture captivant un amateur d'art ou de la tour Eiffel captivant un chinois. Malgré quelques professeurs possédant un physique agréable, vous conviendrez, cher jury, que nombre d'entre eux n'ont pas la chance de se prévaloir d'une telle qualité. Un sondage affirme qu'un seul professeur sur 5 dispose d'un physique avantageux. Si mon cher collègue peine à rendre ses cours intéressants, c'est qu'il est moche. Oui, il est moche. Il est horrible, il est répugnant. Oui, tu es moche. Et oui, tu es horrible. Oui, tu es répugnant. La question que je me pose est... Comment ta mère a-t-elle pu ne serait-ce que concevoir l'idée de conserver une créature aussi ignoble que toi? Comment a-t-elle pu? Je l'ai rencontrée lors de mon affectation dans son établissement. Nous enseignions la même matière et l'administration n'a pas tardé à constater l'engouement de mes élèves pour mes cours et le désengouement de ses élèves pour les siens. Quelle était alors la différence entre lui et moi? L'apparence, bien entendu. Il était physiquement mon extrême opposé. Ses élèves ont alors décidé de venir assister à mes cours, à la place des siens, jugeant les miens plus intéressants. Depuis, ce cher professeur est au chômage et a la chance d'avoir un ami comme moi pour égayer ses journées. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que le physique avantageux d'un professeur rend ses cours plus intéressants. Il attise l'intérêt de ses élèves et exerce sur eux une sorte de fascination. Il existe tout de même des exceptions, et ce ne serait qu'hypocrisie de ne pas les mentionner. Les eunuques peuvent difficilement développer un intérêt sexuel pour leur professeur, aussi magnifique soit-il. N'ont pas la chance de profiter de la vision d'un professeur au physique avantageux, et c'est bien dommage, les aveugles. Les claustrophobes, dont l'attention serait plus portée sur les sorties de secours que sur leur professeur. Et enfin, les cul-de-jatte, qui trouvent parfois difficile d'accès les amphithéâtres. Ces personnes ne représentent bien sûr qu'une minorité des élèves. Les professeurs peuvent donc compter sur leur physique pour rendre leurs cours dignes d'intérêt. Oui, le physique avantageux du professeur a son importance. Et si Molière disait « Le plus souvent, l'apparence physique déçoit, il ne faut pas toujours juger sur ce que l'on voit », c'est qu'il était laid. Je conclurai cette argumentation sur un poème envoyé par l'une de mes élèves. Car le maniement des mots est un art en perdition. Et parce que c'est ma plaidoirie, je fais ce que je veux. Ah, mon très cher professeur, tenu de vous dire, il m'était, que de mon indissoluble douleur, vous avez fait quelque chose d'abstrait. Par la félicité de vos gestes, par la grâce de votre silhouette, vous avez su susciter en moi l'intérêt pour les cours de droit. Quand vers moi vous vous êtes tourné, dans vos yeux j'ai vu naître la lueur d'un pervers bien en chaleur, voulant de moi plus qu'un baiser. Mon professeur, mon fantasme, même si ce n'est là qu'un pléonasme, s'offrait à moi jour et nuit, faisant de moi une fille épanouie. Je tiens à ce que vous gardiez secret nos ébats, et que l'idée ne vous prendra pas, dans le but de vous aider à débattre, de lire cette lettre à un amphithéâtre. Et c'est fini. Chers membres du jury, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Je tiens tout d'abord à dire que seuls les moches sont autorisés à rester durant ma plaidoirie. Monsieur Renaud, ne vous levez pas. Je me présente, président du Koukistan, réélu à l'unanimité par le Conseil démocratique de mon pays, composé d'une seule personne, fiable et représentative de l'opinion publique, c'est-à-dire moi-même.
Je vous ai manqué? Oui. Je n'entends rien, je vous ai manqué? Oui. Silence! J'adore ce rôle. Je reviens cette année dans votre université à la demande de l'équipe d'organisation de ce concours qui se demandait si le physique avantageux d'un professeur rendait ses cours plus intéressants. Un fantasme, mesdemoiselles? En effet, il me semblait que j'avais mon mot à dire à ce sujet. Étant moi-même enseignant des principes démocratiques en Corée du Nord, cours auquel Manuel Valls assiste assidûment, je me devais de donner mon avis sur ce point. Pensez-vous qu'une créature pouvant provoquer une demi-molle à un vieux grabataire sous perfusion puisse être placée devant les yeux innocents de pauvres chérubins? Nein! Dans mon pays, on appelle ça du racolage! Nous avons compris cela il y a bien longtemps en Pakistan. C'est pourquoi seuls les moches peuvent y enseigner. On ne joue pas avec l'innocence d'un enfant de 5 ans. On peut, en revanche, lui confier un fusil d'assaut ou même des grenades explosives. De cette manière, il pourra préserver une vision sereine du monde qui l'entoure. J'en viens à la tenue réglementaire. Tous nos enseignants sont habillés avec des vêtements de chez Decathlon et une paire de crocs kaki pour assurer une protection maximale anti-érection. On ne peut pas tolérer qu'un enfant de 10 ans soulève sa table de 20 cm alors qu'il a les deux mains levées. Nein ! Le matériel coûte cher ! Toutes les femmes à barbe du Koukistan sont immédiatement reconduites vers l'éducation nationale. Mais je vois qu'en France aussi. Je suis venu étudier à l'université du Havre après qu'on m'ait vanté la beauté de la mer, l'ambiance des soirées étudiantes et la laideur des professeurs. Sur ce dernier point, je n'ai absolument pas été déçu. Certains d'entre vous me demanderont alors d'expliquer pourquoi le taux de réussite n'est pas plus haut en licence 1 si les professeurs sont si moches. À cela, je leur répondrai « Les blagues de Monsieur Fleury !» Comment voulez-vous vous concentrer dans ces conditions? Dans mon pays, Monsieur Fleury est hautement recherché. Il a été jugé. Il a été jugé multirécidiviste du bide. L'université offrirait un cadre parfait pour l'enseignement ce dernier point mis de côté. Me préférez-vous pas mille fois étudier et comprendre ce que dit un moche plutôt que de baver sur votre ordinateur dans une université suédoise? Le premier qui dit oui goûte ma cravache. Je tenais à vous donner la raison qui m'a conduit à détester les enseignants en physique avantageux. Je n'avais que 6 ans et aucun poil sur le pubis lorsque je suis rentré dans la classe de Madame Dubocu. Dès que je l'ai vue, j'ai senti un gargouillis au plus profond de moi. J'ai immédiatement mangé le Mars que ma maman avait mis dans mon cartable, mais hélas, la sensation s'amplifiait. Jour après jour, alors que je lisais attentivement les histoires de Père Castor, mes yeux prenaient le dessus et me menaient jusqu'à l'incroyable fessier de ma maîtresse. Le destin avait fait hélas que Hans, le garçon assis devant moi, était atteint d'une leucémie. Ce qui obligeait Madame Dubocu à se pencher sur son cas et à m'offrir cet inoubliable panorama 5 heures par jour. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Mais je ne pouvais pas travailler dans ces conditions. Chaque fois que la maîtresse venait corriger mes additions, je me retrouvais à 20 cm de ses obus. Nein ! À tout moment ! Ne riez pas ! Rapidement, mes camarades se sont rendus compte que c'était la lambada dans mon pantalon. Ils me surnommaient la boussole car j'indiquais toujours le nord. Ne riez pas ! Vous croyez que c'est drôle de pouvoir clencher une porte sans les mains ? À la fin de l'année, j'ai dû me faire opérer de la prostate. Cette période a été traumatisante pour moi et j'en garde encore de lourdes séquelles. Quand l'une de mes femmes m'a annoncé qu'elle souhaitait devenir enseignante, je lui ai dit « Nein ! C'est devant moi que tu dois dîner ton petit cul et tu n'as que 12 ans !» Bien sûr, on ne peut pas interdire aux jolies femmes d'enseigner. Nein ! En revanche, on peut les exécuter. Gunther ! Choisis parmi le public une jolie demoiselle. You're my president ! Thank you.
prête à mourir ? Non. Mais Gunther, elle est très moche ! Elle est dégueulasse ! Va-t'en ! Va-t'en, c'est très moche ! Je me dois, hélas, de terminer ma plaidoirie, car j'ai un attentat à planifier. Mais je tenais, avant de partir, à rassurer les plus moches d'entre vous. On peut faire des très belles choses, même en étant très moche. Et moi et mon contradicteur en sommes la preuve. Enfin, surtout lui. Merci de votre attention. Mon cher contradictateur, naïve par-ci, naïve par-là, j'ai cru comprendre à ces mots que nous n'étions pas d'accord. Moi, je vous dis... Ya yeah. Vos règles imposées ne sont valables que pour votre peuple. Permettez-moi de douter de la légalité de votre accession au pouvoir. Cela n'empêche que vous êtes une personne harmonieuse. En effet, votre ego se marie à merveille avec vos oreilles. Vos arguments sont tellement, tellement nombreux que je n'en ai retenu aucun. Même si ce n'est là pas le rôle principal d'un dictateur, merci de nous avoir fait rire. C'est fini. Vos propos sont des injures! Non, monsieur Renaud, un saute-mouton n'est pas un argument. Et Dimitri n'est pas moche. Il n'a pas un physique facile. C'est différent. Molière non plus n'était pas moche, du moins du temps où je l'ai connu. Et se termine ainsi ma contre-plaidoirie. Ça va pas être simple, en effet. Monsieur Renaud, pour vous, le physique avantageux est-il uniquement un avantage ? Ah non, il fait tout. Absolument. Et c'est tout. Et ce sera tout. Et ce sera. J'espère que vous serez meilleur pour la deuxième réponse. J'espère aussi. Pour vous, est-ce qu'un physique désavantageux ne permet-il pas justement de se concentrer davantage sur le contenu ? Non, justement, parce qu'on passerait notre temps à se moquer du professeur en physique désavantageux. Sur le contenu du cours. Mais ça nous empêcherait justement de suivre le cours. Face à un physique désavantageux. Exactement. Votre esprit serait pris par quoi ? Par exemple, son mono sourcil. Un physique désavantageux du professeur vous concentrerait davantage sur votre camarade de classe. C'est l'idée. C'est l'idée. C'est la vôtre. C'est mon idée. C'est certainement pas la sienne. Monsieur Uniterno, est-ce que je vais oser vous poser une question ? Nein. C'était ma première question, j'ose pas en poser une seconde. Non, pour vous, la bobosse attitude, c'est le summum du mauvais goût ? Exactement. Oui. Je déteste le bon goût. Vous êtes le synonyme du bon goût ? Non, j'en suis l'opposé. Et ça doit passer par la dictature ? Si. Les encolles ? Chut. Non. Ce n'est pas de bon goût que je réponds à cette question ? Oui, c'est vrai. Mademoiselle Le Cam, à vous. Merci. Monsieur Renaud, vous nous avez dit que le physique avantageux créait une situation d'infériorité de l'élève, de l'étudiant face à son professeur. C'est bien cela. De l'étudiant face à son professeur. De l'étudiant face à son professeur. Est-ce que le physique avantageux
désavantageux, pardon, de l'enseignant crée ce même, cette même relation vis-à-vis de son étudiant ou Ben oui, parce qu'on est encore plus impressionné par un professeur au physique avantageux. Je vous dis, est-ce que le physique désavantageux de l'enseignant crée la même relation d'infériorité vis-à-vis de son étudiant? Ben non. Justement, c'est ce que je viens de dire, mais différemment. Dans ce cas-là, quelle relation existe entre l'étudiant et son enseignant? Ben, comme j'ai dit. Si ce n'est pas une infériorité, est-ce une supériorité de l'étudiant vis-à-vis de son enseignant? Ben non, c'est toujours une infériorité. Mais... Mais différente. D'accord. Infériorité accentuée par le physique avantageux de son professeur. Donc l'infériorité existe quand même, préalablement. Oui. Elle est due à quoi cette infériorité? Je dirais la connaissance du professeur. Donc elle est déjà existante. Il n'a pas besoin d'avoir un physique avantageux pour qu'elle puisse exister en réalité. Non. Merci. Et monsieur Mulcarne, vous nous avez dépeint une enfance bien triste. Vous avez subi un certain nombre de choses. Est-ce que vous ne pensez pas que votre situation peut être enviable ou a été enviée par vos camarades? De nombreux enfants me rapportent que comme projet d'études, ils veulent faire dictateur. Ils veulent devenir dictateur quand ils sont grands. Très bien, merci. Cher Bourbeau, je ne sais pas si je vais poser la même question aux deux, mais, monsieur, sachant que je suis un membre très influent de ce jury, je suis extrêmement influent dans ce jury, je vous pose une question et vous allez me répondre. Ai-je un physique avantageux? Mon orientation sexuelle m'empêche de répondre à cette question. Je vous remercie. Pour ma part, je tenais à dire que vous... Je ne vous ai pas promis. Je vous remercie. Merci. Alors, monsieur Renaud, pour commencer, l'avantage de votre plaidoirie, c'est qu'elle m'a fait me poser des questions. Je vous explique, il arrive même assez régulièrement, que mes élèves aient des mauvaises moyennes. Qu'est-ce que je dois en déduire à votre avis? Que mes cours sont intéressants ou pas? Vu que je défends la thèse du oui, je dirais que vous avez un physique avantageux, mais que vos cours sont intéressants. Alors pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas des bonnes moyennes? C'est sûrement la faute de vos élèves, pas de vous. C'est ça, c'est ce que je me, c'est ce que vos je élèves, me disais. Certainement. D'accord. Alors, autre question. À votre avis, est-ce qu'on peut rendre un cours intéressant quand il s'agit par exemple de téléconférence ou de cours par correspondance, cours qui par principe suppose qu'il n'y ait pas d'interaction avec un professeur? Donc du coup on ne peut pas savoir s'il a un physique intéressant ou non. Si vous voulez, quand on ne voit pas celui qui nous enseigne la leçon, on ne peut pas savoir par hypothèse s'il a un physique attirant ou non. Est-ce que du coup... ça donne une moins-value au cours, dans la mesure où il n'y a pas un physique attrayant pour nous en donner la passion. Mais si on ne voit pas le physique du professeur, s'il est avantageux ou non, c'est pas vraiment dans le sujet, non? C'est pas dans le sujet. Alors le problème, c'est que là, c'est moi qui décide si c'est dans le sujet ou pas. Alors à votre avis, sans interaction avec un professeur qui soit physiquement attirant ou pas, est-ce que le cours peut être intéressant? Bien sûr. Enfin, à ce moment-là, le professeur, il est plus dans l'équation, en fait. D'accord. Un enseignement sans professeur. C'est ça. D'accord. Alors, monsieur Mulliterno, vous avez dit à un moment donné, je me méfie
de ce que je vais dire de votre biographie. Je voudrais pas faire d'erreur. Vous avez dit que durant votre enfance, durant l'enseignement avec Madame Dubocu, il vous est arrivé en quelque sorte de perdre le nord et que malgré le Mars que vous avez mangé, ça n'a pas suffi. Mais c'est normal, parce qu'avec un Mars, ça repart. Donc forcément, ça repart, hein, vous comprenez ? Du coup, c'est reparti. Si je peux, hein, bien évidemment, permettre. Ce qui, du coup, me permet de m'amener à une question sur le physique. Finalement, vous avez, je pense, en haine, la bogosse attitude. D'accord. Est-ce que c'est vous qui avez tué Michael Vendetta ? Non. J'aimerais bien le faire. C'est dommage, parce que j'aurais pu vous remercier, du coup, de l'avoir fait. C'est pas vous ? Non. Merci. Très bien, donc je vais clore. Monsieur Renaud, d'abord, est-ce qu'il n'y a pas eu une petite contradiction dans votre plaidoirie, puisque vous plaidez pour dire que le physique plus avantageux rend les cours plus intéressants. Et puis, quand vous avez pris comme exemple très rapidement Monsieur Fleury, vous avez axé sur d'autres qualités de Monsieur Fleury, sur sa capacité à intéresser les étudiants par son discours. Vous avez dit que c'est un chef de guerre préparant les juristes à affronter leurs pires ennemis. Donc là, c'est un compliment qui n'avait plus rien à voir avec son physique, quoi que vous puissiez penser de lui par ailleurs. Donc voilà, est-ce qu'au fond, vous n'avez pas fait une plaidoirie contre nature ? Est-ce que le fond de votre conviction, ça n'est pas de penser l'inverse ? Que le physique, finalement, n'a aucune importance ? Non, justement, si M. Fleury a toutes ses qualités, c'est avant tout grâce à son physique. C'est dommage qu'il soit là, on va lui répéter. C'est tout. Ah oui, ben non, c'est trop court. Pourquoi a-t-il ces qualités-là grâce à son physique ? Je ne vois pas le rapport. Alors, qu'est-ce que vous pouvez développer un peu ce point ? Non, je ne peux pas développer, en fait. Non. Alors, une autre question. Vous savez que beaucoup d'étudiants qui sont salariés, par exemple, ne peuvent pas, hélas, venir assister aux cours, et donc ils préparent dans les cours, dans des polycopiés. Donc, ils ne voient pas le professeur. Et cependant, ça ne les empêche pas de penser que certains cours, certains livres sont plus intéressants que d'autres. Donc dans ce cas-là, est-ce que ça n'est pas un signe que le physique d'un professeur est vraiment quelque chose d'extrêmement secondaire ? Comme j'ai dit tout à l'heure, si on ne voit pas le professeur, le professeur ne rentre pas en compte. Mais si jamais on voit le professeur, je pense que le physique avantageux du professeur peut rendre le cours plus intéressant. Ça apporte un plus. C'est ça. Mais après, ce n'est pas la seule... c'est pas la seule chose qui peut rendre un cours intéressant. D'accord, donc c'est assez secondaire finalement. Ça compte, mais c'est secondaire. Je résume votre point de vue. D'accord. Alors, monsieur Muliterno, vous avez dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé à un moment donné. Vous avez dit ça de juriste à votre camarade. J'en ai déduit que peut-être vous n'étiez pas juriste. Alors j'aimerais savoir quelles études vous faites. Question préalable, quelles études vous faites et puis je rebondis à l'ancien. J'étais l'année dernière en licence 1 de droit et cette année je suis à l'UIT, l'UTTC. Ah d'accord, en technique de commercialisation, c'est ça, d'accord. Ah, vous êtes quand même un juriste repenti. D'accord. Alors, ça m'amène à une question. Est-ce que vous pensez que le physique pourrait avoir une importance différente selon la discipline enseignée ? Est-ce que, par exemple, le physique d'un professeur aurait plus d'importance en lettres ou en sciences humaines ou encore en sciences exactes ? Vous qui avez eu le bonheur de passer par deux cursus différents, qu'en pensez-vous ? Un professeur de sport, déjà, c'est très avantageux d'avoir un beau physique, évidemment. Mais à part ça, je pense qu'aucun physique avantageux ne sert à un professeur. Ah, vous faites une exception pour le sport ? Une exception pour le sport qui n'est pas vraiment un cours. Et vous faites des cours de sport ? Ah oui, c'est pas un cours. On répétera à nos collègues aussi, décidément, ça fait beaucoup de choses à répéter. Et vous faites du sport, vous, là, ici ? Non, pas à l'université. Ah, sans ça, je vous aurais demandé d'indiquer quelques noms, mais finalement, il n'y en aura pas. Bon, très bien, écoutez, je vous remercie. Merci à tous pour votre mise en scène.